Yon l'autre fois, gros bonjour bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Et ancien colonel Himmler Rebu dit souhaiter au commandement PNH là bay tête li moyen pour faire respecter mesi qui prend pour interdire policier porter cagoule. Ancien secrétaire d'état sécurité publique là invité autorité au chercher support monde qui gagne expertise dans sécurité pour permettre établir un climat la paix dans pays. Himmler Rebu t'a répondu question Jean-Serge Nolendor week-end passé à dans émission mise au point sous TNH en suivi. Mesdames et Messieurs, c'est est-ce que l'État a une capacité, c'est toute vite machine palio faite pour des détenus. Avant de dire citoyens, des détenus machines, c'est vite machine officielle et vite machine gouvernement qui est faite pour des détenus. Si vous croyez que c'est ça que vous mesurez. Par exemple, vous dites, policier parmi les cagoules. Moi, ouais, un TikTok qui a circulé, qui est extrêmement important. Je dis à ce moment, un policier met ton cache-nez dans la figure. Vous ne pouvez pas mettre un cache-nez? Parce qu'effectivement, la pandémie, vous pouvez finir à tiquer. Bon, s'il met un cache-nez, il met une lunette noire dans le gel. Bon, il y a une casquette qui barre le fond. Dans TikTok, moi, je prends, ça m'a précisé. Sauf que ce cache-nez n'est pas cagoule. Ok. Mais tout dispositif ça empêche au revenu point en protection. Mais jusqu'à présent, quand on passe dans la rue, on va voir que les policiers qui ont un dispositif cagoule. Est-ce que c'est pas l'uniforme que vous avez passé changer? Je ne vais pas à la vignée là. Moi, pas tellement répondre à une question, ça va parce que c'est des décisions qui relèvent de la sécurité. Moi, pas tellement commenter sur eux. Mais ou pas qu'à prendre mesure à son papier. Le outil bagaille là, ou bon préparatif logistique pour faire pour ça. Par exemple, vous parlez de machine la police qui fait bon sens pour vous identifier. Mais avant vous avez dit ça, pour être rendu public là, il faut mesure à être mis en application déjà pour demain matin ou sortir dans la rue. Si vous pas joindre une machine comme ça, bon l'autre bagaille pour être dit, la police n'est pas obligée toujours visible. Parce qu'on pile opération la police l'a fait, l'obligé de faire une voiture banalisée, l'obligé de faire undercover. Mais il faut qu'il y ait instruit, les gens qui sont obligés d'utiliser la méthode de police, que n'est pas fait pour intervenir beaucoup de citoyens, il est fait pour un dispositif de communication. Si par exemple, il y a des gens qui ont suivi, qui ont filature, et qu'il est obligé dans la position pour intercepter les gens, qu'on est obligé de relayer dans la radio pour faire une entité visible de la police intercepter les gens. On n'a pas même connu que c'était un policier qui a un découvert qui était signalé. C'est comme pour le on allait son véhicule. Maintenant, si tout ceci n'est pas préparé et qu'on lance ces bagailles-là, au cap gain effet contraire, là, on cap pas gain effet du tout. Et puis ce rapport qui sortit, colonel Rebu, qui fait comprendre que quand pile agent dans la police nationale là, qui mêle l'activité criminelle, l'activité gangue, et ça facilite gangue faire opération, j'ai fait là, kidnapper, rien pas arriver. Ça fait expliquer selon vous que bah, l'arrivée dans le niveau ça, des agents de la PNH, des gens qui t'adouent là pour garantir, protéger via bien, c'est eux-mêmes qui entrent dans la logique activité criminelle. Ça, ce n'est pas un phénomène qui est propre à Haïti. C'est un phénomène qui découle de l'infiltration des forces de sécurité, qui fait à travers le monde. Au point, on a des opérations, on a des faire au niveau international, pour démanteler par exemple un groupe qui a fonctionné dans la drogue, c'est des agents obligés d'infiltrer parmi eux, qui vont même rentrer dans le trafic de drogue, des fois même ils vont tuer les gens pour qu'ils des preuves que vraiment autre chose, pour qu'ils arrivent à démanteler. Et la police nationale d'Haïti déjoue en tentative kidnapping mercredi 16 mars 2022 à Nan, ou des casernes communes. Port-au-Prince.
quelques présumés kidnappés ont mouru dans changé coup d'armes avec la police. Situation s'est arrivée pendant la police tape suivre yon tout après deux couler noir avec yon tout tape pick-up double cabine qui te gen plusieurs individus avec gros armes dans main yo. Déviation tentative kidnapping ça la cause gros panique en bas la villa avec dans zone qui entoure lieu pendant après-midi. Plusieurs citoyens manifestés mercredi 16 mars 2022 en dans zone la lue pour réclamer libération plusieurs moun bandits kidnappés week-end passé à. Citoyens sayo déclaré li important pour autorité au prendre responsabilité au dans problème insécurité cap valide terrain dans pays à depuis quelque temps. Quelques citoyens t'a réagi dans micro Jocelyn Pierre avec Michel Joseph. Kidnappé et Ensla Fleur qui s'est directeur de l'école Jacques Moune. Je ne veux pas dire que la passivité de la police avec kidnappé, c'est comme si c'était comme à deux boules. Nous disons que c'est pressé pour la guerre Ensla Fleur. Malgré que le problème est toujours que la fleur dans le pays. Si on ne parle pas de la fleur, on a passé avec plan B. Le kidnappé la fleur depuis vendredi. Depuis vendredi, on a kidnappé la fleur. Et nous demandons de pressé pour libérer la fleur parce que la fleur est trop de temps. Même les kidnappés, malgré le coup là, ils ont toujours stylé qu'il y avait la fin dans le pays. Tous les jeunes filles, on va le mettre à la voie tout. 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 Jusqu'à la mort. On va le mettre à la voie tout. Et mouvement Force Grand Sud levé campé pour dénoncer montée en sécurité à Normatissan. Responsable insécurité, ça pense situation, responsable strictis, ça plutôt pense situation Matissan, la cause toute activité au paralysé dans Grand Sud. Yon en commission communale Miragouanan, Joseph Marsens, mandé pour autorité au pencher sur situation insécurité, ça qui la cause département qui dans Grand Sud coupé à créer ce pays à Ansiv. Nous-mêmes, nous victimes, et dans plusieurs sens, il y a des gens qui sont dans le Grand Sud, qui ont kidnappé, il y a des machines qui ont kidnappé. Actuellement, là, mon gros proche, moi, qui ont machine, l'obligé, il était kidnappé, et je vous dis à l'obligé de rentrer dans Nipavel. Et ce type de machine, ça, il n'est pas approprié. Parce que son bus lié, qui était fait Carrefour, et Mariani, Port-au-Prince, d'accord? Et je vous dis à la façon du ça est, type de transport que nous avons, il pas adapté avec eux. Voilà que la machine a bien campé. Donc c'est de quoi de prêter la banque pour qui est vraiment moderniser, qui dit si que on a niveau mairie, au bon document, au bon budget, au bon bagage pour voyer à Port-au-Prince, puis il n'a pas accepté le par email, il n'a pas accepté signature électronique, nous beaucoup atteindre aux arts. Puis l'hôpital général en grève depuis plusieurs semaines, ça qui a affecté tout service dans l'hôpital là. Mon gars a cherché soin dans l'hôpital là, mandé autorité dans l'État prend disposition pour permettre à plus gros centre hospitalier à recommencer à fonctionner comme ça doit. Rachel Saint-Fort avec Michel Joseph pour plus de détails. Le lundi 14 mars 2022, à l'entrée l'hôpital général plus gros centre hospitalier pays d'Haïti, CEFATRA, qui accueille ou. Rentrer dans l'hôpital là, constat, pas département. C'est toujours Fatra qui seul coq chanté à quelques grands monde qui a cherché soin. Dans plusieurs salles, l'hôpital là, quand on n'y a pas de malade. Mais dans quelques autres salles, où jouent y a une série de monde qui l'a captonne parce qu'il n'y a pas de moyens pour aller dans l'autre hôpital. Les gars sont les maman ferrée, quand il y a maman qui est dans les gestes là-bas. Depuis les mamans ferrées, moi malade, c'est pas malade. Maman, quand il y a l'autre à la caille, il va dire mon Dieu qui te même bien obligé de tenir l'ensemble avec ça. Je n'ai pas un docteur qui pour bon soin. Si mon père de mourir dans l'hôpital là, comme si je n'ai pas l'argent, c'est malheureusement. Docteur n'a pas qu'à toucher, docteur n'a même venu dire qu'il n'y a pas qu'à bailler soin parce qu'il n'y a pas de monde qui a payé. Il y a 12 mois depuis qu'il a travaillé là pour janvier. 19 mois, il n'y a pas janvier. Dans l'espace dans l'hôpital général, on est capable de plusieurs messages qui charrient revendications grévistes, tant que bon gens, cafétéria et matériel pour bailler malades soins.
Yon dame ki gen petit fil ka fè dialyse nan l'hôpital la ap rakonte problèm li. Depi le 13 décembre, el te gen problèm nan, et Jérémy msot avèl, et mte etene Jérémy avèl, et lèm komanse depanse tout si kòb mwen te gen vin fini. Lè ou mal fè examen pou rien, ou di mè problèm rel gen, ou pap ka fè rien pou li, pou pwes pou mwen vin avèl. Actuellement, lèm vin yo, di mè pou pwes pou mwen vin avèl, tout si kòb mwen te gen vin pase, mpat gen anyen pou mwen te vin avèl. En tous les cas, garçon prochain qui te fait monter ici ensemble avec lui, qui fait là ici, il pas mourir, là ici, il pas taper là. Parce que pour janté. Parce qu'elle t'enflé en pile. Surtout elle a marché, on a dit son fils qui a 9 mois pour la coucher. Pour tellement t'enflé. Mais pendant que je suis venu avec elle, elle a fait examen, elle a dit que c'est problème rien, elle a dit que c'est dialyse pour me faire pour lui. Chaque 3 jours pour me faire dialyse. Et je fais le général là, là. Général là, j'ai besoin de 2000 gouttes chaque 3 jours pour me faire. Même pas dans le travail, je n'ai pas de monde qui a aidé. Mais deux après bon Dieu, c'est moi-même. Papa le mourir. Et c'est moi-même qui avait après bon Dieu. C'est pas n'importe quoi grève là. Mais pendant la grève là, là, nous pas jouer aucun service. Il y a un docteur qui vient, oui, mais un docteur qui a une bonne volonté qui vient là pendant que nous sommes là, ou bien nous visite. Mais tant que si nous avons besoin de médicaments, bah, ça, oui, nous pouvons dégager, nous pouvons acheter. Nous n'avons pas de moyens pour nous acheter. Dialyse d'Ali même. Et vous connaissez un petit monde depuis que je dialyse d'Ali, pas arrêté. Il y a toujours une façon et pour faire dialyse là pour nous. Mais il faut toujours un cobla. Si on pas un cobla, dialyse là pour camper parce que dialyse là tout le monde. S'il pas fait dialyse là, on met désespoir. Samedi là, il n'a pas prévu de faire parce que je samedi il pas de travail à l'hôpital là parce qu'il était gros malade qui était prendre depuis mercredi, il était belle, il était belle, pas de parler. Seulement comme ça et doit les siens pour venir payer même pour qu'on qu'il en appelle, à pas qu'il en appelle. 2700 $. Grève ça qui paralysait activité l'hôpital là depuis plusieurs semaines empêchait un pile monde qui pas gain moyen pour aller dans l'autre hôpital et puis qui fait déplacement joindre soin ka ou nécessité. Patients qui dans l'hôpital là mandé autorité dans l'état pour prendre toute disposition pour permettre l'hôpital général recommencer fonctionner normalement. Docteur Cassandra Jean-François, bah, opinion le sous-grève syndicale hôpital général a fait pour réclamer une plus bonne condition de travail. Docteur Jean-François, débrouillé façon, docteur Yo à l'autre personnel de travail. D'après votre parole, stop accident, docteur Yo, pas qu'à prendre soin maladie si espace-là pas bien aménagé. Ensuite. On a parlé de propriété dans l'hôpital, c'est très important. Parce que soit soigner un monde ou pas soigner le problème. Maladie ou le carré la caille, mais imaginez que l'environnement côté que pendant que soigne pour X problème, il a développé Y problème. Et c'est dans la condition ça que le médecin a bail soin l'hôpital général et sans compter. Et tu as parlé de la vie chez avant tout à l'heure, c'est terrible. Manger monter, prix camionnette monter, prix gaz monter. Mais salaire mon yon a toujours été même gens. Et ce n'est pas seulement ça. Il n'y a pas de joindre les attentes. Ou attendre des grèves là, ces petits personnels qui viennent avec lui. Mais il y a toujours des gens qui ont 6 mois, 5 mois, 7 mois. Par contre, il n'y a pas touché. Il y a de là qui ont 8 à 10 mois, il n'y a pas touché. Maintenant, juste imaginez mon ça. Et petit personnel là, c'est des gens qui pratiquement n'ont pas envie de chiffres. Parce que je quitte l'hôpital là quelque temps, même pas quoi, il faut 15 000 gouttes passer ça, non. Et bien, il y a 8 mois. Il faut 8 mois. Donc, les terribles, conditions sont terribles. Et moi, pas quoi que grève, c'est les témoigner mauvaise foi, les gens qui sont dans l'hôpital. Là. Parce que l'hôpital n'a pas fonctionné, il a affecté tout. Parce que moi-même, je songe que j'ai des petits personnels qui ont dit comme ça. Ah, donc, eh bien, il m'a vu régler là, non. Mais il faut sortir quand même, parce que l'on était là quand chaque jour, a envie de tout y être tout, stress à manger. Donc, il faut sortir, tu sors, venir faire, ou faire pour entrer. Comme si entrer, sortir, d'un point de vue psychologique, l'important pour moi. Et le fait que yo pas payé le bien, et c'est un autre problème qui vient encore l'hôpital général, il vient favoriser que et bon, ça aurait les corruptions. C'est vraiment des barrières que je pas approfondi là-dedans. Mais il vient faire gonter côté mon yo tout et bon. Moun yo en général, mais des moun qui t'a laissé yo aller tout yo même tu yo capable faire des bagailles qui pas intéressant.
et employé centre santé portail Léogane, même genre employé qui dans l'autre l'hôpital l'État, annoncé yo campé travail pour exiger plus bon conditions travail. Employé yo critiqué responsable yo, yo dit qu'il pas bail matériel pour permettre yo faire travail yo, quelque là dedans yo a bail plus précision dans micro Brunel Jean-Louis à Camoise Zoubich. Nous-mêmes employés centre santé portail Léogane, nous senti nous bouqués. Nous bouquons parce que jusqu'à présent, c'est chaque fois un mois fin passé, nous entraînons deuxième ou troisième mois pour nous jouer un chèque, nous ça c'est un. Nous avons risqué de nous chaque jour pour nous venir travailler, pour nous donner la population en service. Et d'autant plus, nous faisons tout le excès qui gagne pour nous accompagner la population sur le plan sanitaire. Mais responsables, yo, dirigeants, yo, pas jamais montrer nous, il y a une volonté pour accompagner nos employés. Comment vous pouvez imaginer, depuis l'année passée, nous jouons 3 mois de 4 débits. Il y a environ 18 mois de 4 débits. Jusqu'à présent, nous pas jouons un responsable MSPP qui éclaircit nous sur le dossier ça. Nous pas qu'à supporter encore, nous pas capable encore. Et grève ça a levé jusqu'à ce que les responsables prennent des décisions. Qui décision c'est des décisions pour ajuster salaire nous. Parce que le coût de la vie a augmenté, nous avons un taux d'inflation qui presque dépasse 26%. Et puis pour y payer nos salaires misérables, ça c'est un crime contre l'humanité. Tellement pas de matériel. Bon ici, pour nous fonctionner, même si nous n'avons pas de diatio, l'offinement est un petit. Mes amis, nous tous connaissons la question santé, c'est bagaille qui est sensible. Après chaque fois, ou finalement on t'y moune, ou t'as de bon père gagne un mot pour m'en l'autre t'y moune. Moi-même, moi, c'est un agent de santé communautaire polyvalent. Ma travaille dans la communauté en cadre de, en proximité de communauté ensemble avec centre santé. Mes amis, pas de matériel pour agent de santé fonctionner. Yo baron ensemble de tablettes, chaque table, on tablette par agent. Ça va que j'aime venir dans nous. Côté matériel, ça yo qui te baille dans le programme tripartite là pour fonctionner. Yo, côté yo. Sans condition. Faut que vous retirez assurance au Fatma côté l'IA. C'est comme nous toujours comme là. Chaque mois, vous n'avez pas de sur nous. Dans l'hôpital, vous dites que vous n'avez pas payé. Mais nous demandons faut qu'il sorte. Et s'il n'est pas sorti, nous ne pouvons pas faire. Et nous demandons faut que nous tout employé à gage. Les gens qui comme esclaves, les gens qui sont infirmières, l'autre monde, c'est 5 000 de payer, 4 000 de payer. Nous demandons faut que ça sorte et nous ne pouvons pas faire encore. Et sans condition, nous demandons. Pour nous travailler, il faut que nous répondions avec toute revendication. Nous ne pouvons pas négocier une. Et responsable tribunal première instance Pader Bouquet à maître Christian Norcius annoncé 16 mars 2022 relance chaîne pénale juridiction Pader Bouquet à initiative s'apprend dans l'idée pour reprendre toute audience pénale dans tribunal première instance Pader Bouquet d'après doyen tribunal à maître Christian Norcius d'après lui relance chaîne pénale ça pour réunir tout acteur dans chaîne pénale juridiction dans objectif pour combattre détention préventive prolongée. Il fait qu'on ait environ 400 femmes dans la prison civile Tabaréa et puis 154 garçons dans la prison. Ils souhaitaient jouer une collaboration chaque acteur dans la chaîne pénale là. On écoute le micro Mildred Milias avec Moïse Wilwitch. La situation est cachée, disons que les perturbés travaillent tribunal là depuis un certain temps. Et dans ce sens, ça, et nous et jugé bon pour nous capables de motiver les acteurs, du moins aider à prendre confiance dans eux-mêmes dans la situation à développer. Parce que nous soucions en pile de travail, nous soucions de la situation prison. Alors, nous connaissons malgré la situation difficile comme ça, il y a un pile détenus qui étaient dans la prison déjà, et ils continuent à arrêter les gens, ça qui augmentait la population carcérale là. Et il suffit que moun yo rentre dans la prison, yo fermé et autour de quatre murs, et bien si yo pas gagne espoir que l'autorité qui est capable de décider sous dossier yo, et bien yo même yo disponible pour yo tande yo, et bien ça vignon l'autre danger pour et commune pour juridiction. C'est dans ce sens ça nous pensons organiser une activité de relance de chaîne pénale juridiction qui gagne là-dedans
tout acteur yo. Et la police, les gagnent les agents de et la direction et de l'administration pénitentiaire, les gagnent la donne commissaire du gouvernement yo, les gagnent la donne juge d'instruction yo, les gagnent tout acteur qui dans chaîne pénale dans juridiction hein. Et bien dans sens ça le 25 mars année et 2022, eh bien, nous pensons relancer le comité chaîne pénale là pour nous capables d'échanger, réfléchir sur quelle manière nous capables d'organiser nous au mieux pour nous reprendre toute audience dans le tribunal là, en particulier audience pénale là et audience pénale qui peut permettre que, eh bien, et monde qui est en prison depuis des mois et qui pas gain un espoir que eh bien autorité judiciaire yo capable décider sur dossier yo et bien nous parler ensemble qui ça nous chaque nous capable faire qui rôle nous chaque nous gagner et bien comment nous capable mettre rôle nous à profit de détenu ça yo mettre la profit de monde ça yo qui longtemps a souffri et qui a attendre que gagne une décision qui prend sous capayo. Ministère Commerce et Industrie, dans tête ensemble avec Office Protection Citoyenne, célébré mardi 15 mars là, Journée mondiale consommateur. Activité ça permet de responsable dans l'État et puis même association consommateur voyager sous quantité loi qui est disponible sous affaires consommation avec moyen pour exiger application. Directeur général ministère Commerce et Industrie, James Mozana, quoi il est important pour producteurs, vendeurs et consommateurs travaillent sous base confiance pour aider dans l'avancement de la situation socio-économique. Extrait dans micro TNH. Malgré la situation difficile que connaît le pays, l'Association internationale des consommateurs célèbre cette journée du 15 mars sous le signe de l'inclusion, de l'innovation et de la technologie. Poussée depuis plus de 2 ans par la pandémie COVID-19, elle adopte comme thème la finance numérique équitable. Le thème de cette année devrait porter et de faire porte le MCI à de grandes réflexions pour une action gouvernementale dans le sens de la protection des consommateurs à travers les outils modernes qu'offre la technologie. Le ministère non seulement doit s'organiser pour mieux appréhender l'évolution et le développement du cadre de protection des consommateurs, mais se doit aussi de prendre des décisions permettant aux consommateurs d'être plus autonomes. Et les services financiers numériques en constituent une réponse majeure. Aussi, poursuivre la question promotion droit mounio jusqu'à venant application loi qui a un rapport avec droit consommateur. Les consommateurs qui sont victimes, dans certains cas, ne peuvent pas porter plainte par devant un système judiciaire qui prône l'impunité. Si journée aujourd'hui nous arrivons peut-être dans un parquet, dans le pays, si nous arrivons dans un tribunal de paix, si nous décidons à porter plainte dans un tribunal de première instance, si peut-être nous arrivons dans un commissariat pour nous dire écoutez, juge, monsieur policier, me fait que soit acheté un produit là, médicaments et puis médicaments même moyen avarié date à expirer et me en bas au monde et mon malade il faut probable que au gado de façon le tournant en haut le doigt de l'autre côté l'autre côté du noir de l'autre côté et dans bien des cas lorsqu'on retourne dans le supermarché ça ou bien t'as retourné dans la pharmacie ça façon à recevoir, eh bien, c'est comme si nous avons ça avec coup de pied que recevoir. Donc cela veut dire les consommateurs sont le plus souvent doublement victimes en Haïti. Et c'est une violation des droits humains. Donc c'est donc l'occasion pour nous de rappeler que les violations des droits des consommateurs sont véritablement des violations des droits de l'homme. Et nous avons pour devoir, nous avons pour responsabilité, nous avons pour obligation de promouvoir les droits des consommateurs.
Et au-delà du travail de promotion que nous devons faire au quotidien, que le ministère du Commerce fait au quotidien, que vous les responsables des organisations des droits des consommateurs, vous faites au quotidien, nous devons aussi exiger la protection de ces droits. Et puis la fois qu'on est famille journaliste Maxine Lazare, nous en tête collée avec Média en ligne, un roi des infos et puis collectif Média en ligne, annoncé l'enterrement journaliste non, a chanté samedi 19 mars là dans l'église Saint-Yves qui est dans Delma à 10h dans matin. Responsable Silayo fait qu'on est commissaire gouvernement province by autorisation qui permet de faire enterrement sans ou pas autopsie cadavre. Ensuite. Et nous te joignons avec le commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine pour nous occuper le mois pour nous faire enterrement Plaza Maxime. Et nous te connaissons, docteur Moansi, pas bien interdit. Docteur Moansi, qui dit appareil pour autopsie mort en panne. Nous-mêmes, comme parents, Laza Maxime, nous pas arrêté inaperçu pour nous quitter Laza après glace toujours ou bien gâter dans le monde. Nous avons pris pression parents qui dit qu'il faut nous jouer une colle Laza pour nous enterrer. Nous jouons une colle Laza. C'est ça que nous dit grand public là. Et enterrement Laza, c'est samedi 6 juillet, vers la fête dans le local non là, SOS Transport. C'est la raison ça qui fait nous inviter la presse. Nous connaissons. Le problème là, ce n'est pas un problème famille Laza lié, simplement. Puis c'est problème la presse. Parce que c'est un journaliste qui tombe là, son journaliste, photographe. RDI qui tombe à qui c'est Laza Maxime. Nous pas d'arrêter pour nous pas inviter la presse, pour nous pas dire la presse merci pour des marches que tu as fait ensemble avec nous. Nous pas d'arrêter pour nous pas dire Anel Rémi merci pour des marches que tu as fait ensemble avec nous. Je dis à ces raisons ça qui fait nous à faire conférence là, nous inviter la presse pour nous mettre grand public là. Au courant des enterrements, Laza a fait samedi 6 juillet. L'enterrement, c'est l'église Saint-Yves à 10h. Nous connaissons à cause des fêtes Saint-Joseph, et nous connaissons qui fait l'enterrement pour chanter dans 7h. C'est à 10h et à 10h. L'enterrement pour chanter et puis nous allons reposer dans Delma 34. Et je nous annonce l'information pour enquêter direction centrale police judiciaire des CPJO qui démarre lundi 14 mars 2022 après poursuivre. Dans la troisième journée d'information, ça qui gagne pour violence sexuelle, intervenant au Gali avec participant yo, cause à conséquence violence sexuelle et puis analyser cadre juridique national et international violence sexuelle. Formation ça qui bout vendredi 18 mars 2022, faite dans l'idée pour renforcer capacité à enquêter au nom des CPJ selon le tribunal première. Instance par les bouquets. Jodi, nous avons l'autre thématique que nous avons, l'autre module que nous avons et avec yo, c'est violence sexuelle là même qui s'allie, agression sexuelle yo qui s'allie et ouais avec yo et les conséquences et les causes d'abord et ensuite les conséquences de ces violences sur et la société. Alors et non et violence ça yo eh bien nous est viol là qui c'est violence forme d'agression sexuelle ça qui plus prisée dans société ya. Et vu avec ampleur banditisme nous tendez que gagne plusieurs autres formes de d'agression sexuelle par exemple si yo et ta gagne question kidnapping eh bien nous tendez gagne des monde qui capable victime de violence eh bien par rapport à ça eh bien nous mettez ensemble pour nous avec enquêteur de CPJO comment nous capable améliorer le travail, comment vous êtes capable de comprendre la forme de violence et en quelque sorte améliorer le travail que vous avez fait et en tant qu'enquêteur. Attendez-nous, c'est vrai que eh bien, dans le rapport que vous avez acheminé la justice, eh bien, il y a une amélioration dans le rapport, il y a une amélioration dans la façon de qualifier l'infraction, il y a une amélioration dans la façon que vous même comprendre le crime sexuel.